Coucou! Bonjour! Ça, c'est de la désynchronisation. Oui, parce que ça fait deuxième mot qu'on recommence. Moi, j'ai dit tantôt bonjour, lui, il a dit coucou. Moi, je voulais faire comme lui, fait que j'ai dit bonjour, lui, il a dit coucou. Et voilà, on a fait l'inverse. Ben oui. Parce qu'on n'avait pas le micro. J'avais mis le micro en bas. Fait que, ouais, c'est les risques du métier. Oui, alors on est très contents de vous retrouver aujourd'hui. Donc, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vus. Alors, ça, on s'ennuie de vous. Vous nous avez manqué un petit peu. Voilà. Donc, j'espère que nous aussi, on l'aura manqué. Ben oui. On espère que vous allez bien. Alors ici, on est toujours à Puerto Aventuras. Seulement jusqu'à demain dimanche. Ben oui, demain on repart. On prend l'avion et on rentre au Québec, et oui. Ben moi, je suis contente pour aller voir mes petits-enfants, mes enfants. Mais à part de ça, sinon j'aurais resté ici, moi, là. Ben oui, ben oui. On va aller les voir 5 minutes, puis on revient. Voilà, c'est ça. Tu vas tenir le micro, s'il te plaît? Oui. Parce que sinon, je vais trop trembler. Voilà, on tourne avec mon téléphone. Ouais. Sur un bâton selfie. Voilà. Et je ne voudrais pas vous donner le mal de mer. Eh bien, non. Surtout que hier, on était faire du bateau. Je vais vous le donner à la fin. On va faire... Non, non, c'est pas là. Non. Non? Non, on efface tout ce que j'ai dit. Non, je me suis dit, je vais mettre la vidéo du bateau à la fin de la vidéo. Mais non, c'est pas ça du tout. Non, c'est ça. Alors, on espère que vous allez bien, bien sûr. Et puis, c'est quoi que je voulais dire? Que tu les aimes beaucoup. Oui, on vous adore. Merci d'être là. Avez-vous vu encore match aujourd'hui? Bleu. Ah, on est bleu. Oui, on est bleu. Ben oui. Avec la mer, Et le ciel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette vidéo? OK, comme d'habitude, les réponses et questions. Oui. Et la semaine passée, beaucoup de monde ont donné des commentaires sur notre vidéo du samedi aussi, hein? Ah oui, des commentaires que tu as récupérés sur la vidéo de samedi. Non, mais des bons commentaires aussi, pas des questions. Oui, on a des questions, puis tu vas mettre des commentaires aussi, puis il y a l'énigme du jour. Oui, c'est ça. Et à la toute fin de la vidéo, des images, on va dire, on pourrait appeler ça caméra libre, des images que je vous avais dit que je vous enverrais ça, je mettrai ça aussi, sur la ville de Mexico. Donc, on vous avait montré au début un peu ce qu'on avait vu les deux premiers jours. Mais là, on a beaucoup plus visité, on a été beaucoup plus loin. Donc, c'est des images de la ville de Mexico. Et la semaine suivante, sûrement que je vais réussir à avoir le temps de faire le montage sur les murales et Diego Rivera. Ah, voilà. Mais c'était spécial, hein, la semaine passée, là, avec la grande murale qu'on vous a montrée, là. Ouf, c'était quelque chose de spécial. Ah oui, dans l'énigme, là. Oui. Ben là, on va en parler. On va vous la montrer en grand de près, puis on va parler un petit peu des détails de ça. Un petit peu plus. Oui. Est-ce que c'est trop collé? Je me décolle. Attends, on va prendre ça comme ça. Non? Oui, non? OK. Ah, attendez, on s'installe. OK, bon. Oh, regardez, hop, un petit peu de lumière sur le nez, la moustache. Oh, tu vas attraper un coup de soleil. On est sous un arbre. OK. Fait qu'on va commencer avec nos questions. On a à peu près 11-12 questions. Là. Oui, quelques questions. On commence par Jean Lou. Non. On va commencer par l'énigme. Oh, excuse-moi, j'ai été trop vite. OK, oui. OK, de qui est cette citation? Ah, cette fois-ci, ce n'est pas un tableau. On ne montre pas de photo. Non. Qui a écrit ça ou qui a dit ceci? Vous allez rire de l'énigme. Allez, l'énigme. La peinture, c'est comme de la merde, ça sent, mais ça ne s'explique pas. La peinture, c'est comme de la merde, ça se sent, mais ça ne s'explique pas. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas de moi, parce que moi, je l'explique un petit peu, la peinture. Ouais, on peut la sentir, on peut la ressentir, mais là... Qui a dit ça? Ouais. Qui est-ce? C'est quoi, un artiste peintre? Oui, c'est un artiste peintre qui a dit ça. Oui, puis à la fin de la... Solution à la fin de la vidéo, juste avant la vidéo de 9 minutes sur Mexico. Ouais. Et là, on va commencer à répondre à toutes vos questions. Oui. On commence par non Jean Leloup. C'est pas Jean Leloup, c'est Jean Loup. Jean Loup, excuse-moi, je suis en train de te baptiser autrement, là, mais c'est Jean Loup Baquet. Mais bonjour Jean Loup. Bonjour Jean Loup. Il demande « Quel glacis devrais-je appliquer pour réchauffer une ombre? » Ça, c'est la première question. Oui, il faut continuer parce OK. Mais parce qu'actuellement, cette ombre a été faite à l'aide d'une paire d'ombres verdâtres de chez Sennelier, une couleur que j'utilise beaucoup pour mes fonds de feuillage. Il s'agit de l'ombre portée sur un mur de pierre, d'une porte bleue ouverte sur la mer par une belle journée ensoleillée. Magnifique. Ah oui.
On a l'image sous les yeux. Mmh. Hein? Okay. Un mur de pierre, ouais. Une porte ouverte, une porte bleue ouverte sur la mer par une belle journée ensoleillée. Et donc, l'ombre a été faite déjà avec de la terre d'ombre verte. Alors, j'ai été voir la terre d'ombre verte. Moi, je ne l'utilise pas. Non. Je m'attendais à ce qu'elle soit vraiment verte. Et puis, ce n'est pas si vert que ça. C'est une terre d'ombre... Je dirais, c'est entre la terre d'ombre brûlée et la terre d'ombre naturelle, d'après la, on va dire, les photos de couleurs que j'ai vues sur l'ordinateur, sur Internet. J'y ai pensé. Je suis en train de réfléchir. Bougez pas. Une ombre chaude, pour réchauffer une ombre. Ah, voilà. Réchauffer l'ombre. Donc, si c'est... Quel glacé? Si c'est un petit peu verdâtre, si ça l'est vraiment, moi, je ferai un glacis, donc pour la réchauffer, peut-être avec une terre d'ombre brûlée à ce moment-là, qui va être un petit peu plus rouge, plus, on va dire, plus, moins verdâtre. Mais, et pourquoi pas un glacis transparent de terre de sienne brûlée? La terre de sienne brûlée, elle est vraiment beaucoup plus rougeâtre, donc ça va beaucoup réchauffer cette ombre-là, si jamais... En faisant le glacis, voilà, l'avantage du glacis, c'est que ça nous laisse beaucoup de marge de manœuvre. Admettons, je ferai un glacis de terre de sienne brûlée. Très léger, bien entendu. Soit ça l'a suffisamment réchauffé, l'ombre, et à ce moment-là, c'est bon, on ne touche plus rien. Soit ce n'est pas assez réchauffé, on peut recommencer une deuxième couche de glacis quand c'est sec. Soit c'est trop chaud, ça a vraiment trop rougi. À ce moment-là, on peut revenir avec une petite touche de quelque chose d'un petit peu plus vert. Pourquoi pas la terre d'ombre verte ou terre d'ombre naturelle à ce moment-là pour ramener la couleur moins rouge et moins chaude parce que ça aurait été trop chaud. J'essaierai comme ça, vous voyez, tranquillement. En glacis, c'est bien parce que ça fait des petites corrections légères et ça nous permet de revenir après pour, on va dire, pour apporter encore des corrections. OK, on continue avec Baya Ziar. Ben, bonjour, Baya. Bonjour, Baya. Ma question est, avec un dessin connexe, puis-je dessiner des images sans les regarder? Je veux dire, sans transférer les dessins, les dessins des autres. Redis-moi la question. Ma question, c'est avec un dessin connexe. Connexe à quoi? C'est ça, il dit pas. Puis-je dessiner des images sans les regarder? Je veux dire, sans transférer les dessins des autres. Ben moi, un dessin, d'après j'ai moi... pas compris la question. Non, mais moi, je me dirais que... J'ai pas compris. On peut dessiner... Ah, peut-être, c'est ça, c'est sur la vidéo de... Quand j'ai dessiné, là. Ouais, c'est ça. Probablement, okay. Mais dessiner, transférer les... Non, je veux dire, sans transférer les dessins des autres. Okay. Mais en tout cas, ben, qu'est-ce qu'on non, peut... Non, on comprend pas la question. Okay. Donc, c'est important, si vous pouvez, quand vous posez des questions comme ça... De bien préciser. Les relire d'abord. La relire pour voir si vous la comprenez, ouais. Puis donner peut-être plus d'indications, de précisions, reformuler vos questions pour qu'on puisse vraiment y répondre. Il faudrait d'abord qu'on les comprenne. Ça, c'est important. C'est ça. Fait que Baya, essayez de le mettre pour la semaine prochaine. On va vous répondre la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on va élaborer ça avec vous. Avec plaisir. Fait que ça, les autres questions, c'est pour la vidéo de samedi passé. Sur la vidéo de samedi, oui. Oui, on parle à Cathy. Bien, bonjour, Cathy. Bonjour, Cathy. Une question. Sur quel support a-t-elle été peinte? J'ai l'impression que c'est du bois en autre et merci d'avoir valorisé Frida par rapport à Diego. On parle sûrement de Frida. Sur quel support a-t-elle peint? Ouais. Frida, je pense qu'elle peignait sur de la toile. Hein? Ouais. On a bien vu, c'était de la toile. Oui, c'était pas du bois. Non, non, non. Elle peignait sur toile normale, classique de coton. Mm-hmm. On a vu ses toiles. Ouais. Oui, oui, oui. Peut-être elle a essayé d'autres... Par contre, Diego, lui qui faisait de la murale... Attendez, bougez pas. Je vais juste bouger un petit peu. Voilà. Diego qui faisait des murales pour le transport de, on va dire, et l'accrochage et tout ça, des grands tableaux comme ça. Gros. Lui, il faisait sur du bois. Les murales étaient sur du bois. Ouais. On a vu des murales, on vous le montrera, qui étaient même faites sur des. Alors, c'était pas Diego, c'était d'autres artistes. Sur mon Dieu, comment ça s'appelle ça? De la résine, de la fibre de verre, de la résine. Vous savez, un peu comme les coques de bateau. Il y en a qui ont fait leur support comme ça pour pouvoir les transporter, c'est assez léger, facilement, et les accrocher au mur pour des très, très grands formats de la résine. Ouais. OK, on continue avec Farid. Es-tu correct? Oui, j'aurais dû prendre un trépied. C'est assez lourd. Regarde. Et c'est très lourd. À deux? Bah, OK. À deux? Oui, à deux. OK, à deux. C'est bon. Alors, vous voyez, une femme peut faire tout. Hein, c'est parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Tu sais, ce n'est pas la GoPro. La GoPro est stabilisée, mais ça, ce n'est pas stabilisé. Je tiens ça, je tiens la feuille, le micro, et c'est parti. Bouge pas, bouge pas. OK, on va avec Farid El Fares. Bonjour Farid. Farid.
Un dessin au crayon sur papier type Carson. 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 Il a écrit Carson, mais c'est Carson. Carson. Carson, ah, oui. OK. Comment le fixer sans que le support ne se déforme en s'endurant? Oui. Et quel produit utiliser? Oui, lorsqu'on fait un dessin sur du papier, qu'on veut le fixer, ben on va utiliser du fixatif pour crayon, fusain ou autre. Il y en a qui utilisent de la laque pour les cheveux aussi, j'ai entendu, mais moi, je n'ai jamais utilisé ça. J'utilise le vrai fixatif. Si on ne veut pas que le papier gondole ou autre, ben il faut en mettre très, très peu, très, très, très mince. On fait une petite couche mince. On le laisse sécher, puis quand c'est bien sec, peut-être 5 minutes, pas plus, on remet une couche s'il faut, ou on répète l'opération 2 fois, 3 fois, 4 fois s'il le faut. Mais ne jamais trop en mettre, parce que si vous appliquez d'un seul coup trop de fixatif, c'est sûr que ça mouille le papier, et le papier mouillé, ben, il va gondoler. Voilà, c'est ça. Donc, Quel produit utiliser? Moi, je dirais fixatif. Pour le dessin, c'est l'idéal. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qu'on bouge un peu? Allez, on bouge, on s'en va ailleurs. OK. On va se mettre sous une autre ombre si on en trouve une. OK. Allez, on se déplace légèrement. Bon, ils peuvent nous suivre. Hein? Ah ben, ouais. Est-ce qu'on va avoir de l'ombre? On va essayer. Ouais, on est là-bas. OK, on continue avec Virginie Cobot. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous utilisez une palette grise et non une blanche? Et grâce à votre démonstration, je viens de comprendre les notions de la distance par les couleurs et leurs forces. Merci. Pourquoi j'utilise une palette grise et non pas une palette blanche pour faire mes mélanges de couleurs? Alors, c'est très simple, c'est que la palette grise, ben, comme son nom l'indique, c'est gris. Hein? Si je fais mes mélanges de couleurs sur une palette blanche, bon, ben, ma palette a une valeur très, très basse, ou très haute, on va dire c'est très pâle. Si on considère que le blanc est en haut et le noir en bas, bon, ben, c'est une valeur très haute. À ce moment-là, à chaque fois que je vais faire un mélange de couleurs dans des couleurs, on va dire, de valeur moyenne, elles vont me paraître plus foncées qu'en vrai. Et lorsque je vais faire des mélanges de couleurs pâles, de valeurs pâles, elles vont me paraître moins pâles qu'en vrai, parce que je suis sur une palette blanche. Alors qu'en utilisant une palette gris neutre, toutes les couleurs que je vais préparer pâles, je vais les voir plus pâles, par rapport au gris neutre, et les foncés, je vais voir foncés par rapport au gris neutre. Ce qui fait que ça va mieux me permettre d'évaluer les valeurs de mes couleurs pendant que je fais mes mélanges, pour qu'au moment où je vais les poser sur la toile, ben, les valeurs soient correctes. Parce que si jamais je suis influencé par le blanc de ma palette, sur la toile, ça ne sera pas les bonnes couleurs. Mais par exemple, lorsque je vais appliquer mes couleurs sur la toile blanche, par exemple, je fais, je fais un bleu ciel, on va dire assez pâle. Sur ma palette gris neutre, il va me paraître assez pâle, bien pâle. Et je le mets sur ma toile, il va me paraître plus foncé parce que la toile est blanche. Vous voyez? Mais là, à ce moment-là, il ne faut pas que je corrige ma couleur, il faut que je fasse confiance à ce que m'a dit ma palette grise. Ouais. J'allais dire gris, neutre, j'ai pas dit le neutre. Okay. Et là, je fais confiance à la valeur que j'ai vue sur ma palette, parce que je mets ça sur ma toile, oh mon Dieu, c'est trop foncé, mon bleu, mais au plus je vais en mettre, plus je vais cacher mon blanc, et plus la vraie valeur de ma couleur va m'apparaître aux yeux. Voilà, donc c'est juste pour ne pas être trompé et influencé par le blanc d'une palette ou le blanc de la toile. OK, on continue avec Monica Nunez. Bonjour, Monica. Bonjour, Monica. La question, tu sais, sur ton portrait de la vieille chinoise. Oui. Le portrait dans la formation. Oui, dans la formation. Le portrait réaliste en 5 étapes. Ah, oui. Si vous ne l'avez pas vu, là, allez voir ça, c'est super. OK, il a dit, pouvez-vous me dire le nombre de couches que vous avez appliquées pour obtenir la peinture de la dame? OK, parce que dans cette vidéo, on la voit sur le chevalet derrière moi. Ouais. Moi, je vous dirais, j'ai dû appliquer au moins 4 couches, il me semble. 4 couches de peinture, parce que voilà,
La méthode est la suivante. J'ai commencé avec un camailleux avec de la terre d'ombre brûlée. Donc, j'ai appliqué ça partout, en transparent, mais sur un dessin en noir et blanc qui était... j'avais fait un dessin au fusain avant, qui était vraiment, on va dire, avec les valeurs, les détails, tout ça. Donc, j'applique mon camailleux en terre d'ombre brûlée. Et après ça, j'ai commencé à mettre les couleurs. Je pense qu'après le camailleux, donc c'est déjà une couche de peinture, je suis revenu au moins 3 fois dessus. Donc, il y aurait 4 couches de peinture, dont le camailleux. Mais ça a été travaillé avec du liquin, donc en transparence. Donc, je travaillais vraiment en glacis, totalement. Du début jusqu'à la fin, les peintures s'étaient appliquées avec la technique du glacis. Peut-être un peu d'opacité pour la dernière couche, oui. Bon, on continue avec Steve Roy. Bonjour Steve. Je peins avec de la Golden. Je ne suis pas un peintre, mais cela coûte moins cher que la base gamme à long terme. Je ne peux pas trouver le cramoisi d'Azarine. Je ne trouve que de la nuance cramoisi d'Azarine dans la Golden. De ce que je comprends, cela n'est pas la même chose. Dois-je la remplacer avec de la Quinacridone Crimson? Crimson, c'est ça? Oui, Crimson, oui. Ou devrais-je aller dans une autre marque pour cette couleur? Alors, c'est une super bonne question. Je l'aime beaucoup parce que j'ai plusieurs choses à dire là-dedans. Bon, déjà, c'est vrai que la Golden, qui est une marque de qualité, une peinture haut de gamme, c'est plus économique de gaspiller de la peinture bas de gamme. Ça, c'est certain, parce qu'on en utilise beaucoup, beaucoup moins de la Golden par rapport à d'autres marques ou gammes de peinture, surtout bon marché. Je dirais, par exemple, la Liquitex Basic, par exemple. Voilà. Mais il y en a qui l'aiment beaucoup, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Et moi, c'est mon point de vue. Alors, la Crimson, le cramoisi d'alizarine, qu'est-ce que c'est? Je pense que le cramoisi d'alizarine, comme tel, on ne le trouvera toujours qu'en nuance de cramoisi d'alizarine, parce que ça n'est pas un pigment. Ça n'est pas un pigment, parce qu'en vérité, le pigment, c'est la garance. La laque de garance, qui est l'origine du cramoisi d'alizarine. Juste le niveau. Excusez, parce que je viens de me gratter le nez. Non. Elle se gratte le nez, puis moi, j'ai plus de micro. OK. Alors, la laque de garance, c'est fait à partir d'une fleur. Je ne me rappelle plus le nom de la fleur. Je pense que c'est la rubine, mais je ne suis pas certain. En tout cas, une fleur qui était utilisée donc, il y a longtemps, pour faire cette fameuse laque de garance. Et c'est à partir de cette laque de garance qu'a été créé le cramoisi d'alizarine, qui a été popularisé par certains peintres, surtout par exemple Bob Ross. Hein, il l'a dans sa palette, il appelait ça le Alizarine Crimson, la version anglaise. Et donc c'est depuis, alors j'ai été voir sur internet par rapport à cette question, puis il n'y a pas de pigment qui dit que c'est du cramoisi d'alizarine. Ce n'est pas un pigment, c'est un mélange. Ils font des mélanges dans le tube, c'est pour ça que ça sera toujours marqué nuance 2. Maintenant, si parmi vous, il y en a qui trouvent un tube de cramoisi d'alizarine sur lequel il y a un seul pigment qui est marqué dans la composition et qu'il n'y a pas écrit nuance 2 cramoisi d'alizarine, j'aimerais bien le savoir. Si vous voulez le mettre dans les commentaires sous la vidéo, donnez-nous la marque et le nom de la couleur exacte. Parce que oui, alors si on s'en va maintenant dans le quinacridone, Crimson, ça ne marche pas. Quinacridone, c'est spécifiquement très, très, très transparent. C'est quoi ça? C'est une marque qui donne... Non, c'est un pigment. Ah, c'est un pigment. C'est un pigment, oui. C'est une, alors, il y a des quinacridones orange, il y a des quinacridones rouges, donc le cramoisi, il y a des magenta quinacridone. À partir du moment où ils donnent le nom quinacridone, ça veut dire que c'est très, très transparent. Ça va être bon pour faire des glacis, par exemple. Mm-hmm. Alors, si vous n'avez pas de cramoisi d'alizarine que vous en cherchez, ben cherchez l'acte de garance. L'acte de garance, ça va être la version, on va dire, pure du cramoisi d'alizarine. La version originale, quoi. Mm-hmm. On continue avec Gilles Villeneuve. Bonjour, Gilles. Bonjour, Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve... Est-ce que vous faites de la voiture? Est-ce que vous faites de la vitesse sur la route? Ben, il est mort, lui. Ah, ben oui, c'est décédé. C'est Jacques. C'est le père de Jacques. C'est ça. Ben, lui, je l'ai vu, son accident en direct qu'on avait vu. À la télévision, là, ça a été épouvantable. Ben, nous avons le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. C'est ça, c'était quelqu'un quand même de très bien. Mais en tout cas, vous portez un beau nom. Ben oui, je pense que vous êtes Québécois, donc je suppose. Ah, ça, c'est sûr à 100%. Il dit bonjour. Bonjour Gilles, oui, c'est vrai. Non, il a dit. Okay. Oui, bon. Bonjour, je viens de commencer à peindre. Je suis autodidacte. Oui. J'aimerais
comment, j'aimerais savoir comment faire pour teindre l'eau, s'il vous plaît. Vous donnez des cours, est-ce que vous donnez des cours gratuits? Que j'ai vu, je serais intéressée. Je crois que vu des cours sur YouTube. Oui, là, bon, c'est pas teindre, mais plutôt peindre. C'est, des fois, le correcteur, il fait des changements. C'est ça. Comment faire? Comment faire pour peindre l'eau? Mon Dieu, l'eau, oui, ben, il y a des cours, Oui, ben, c'est l'aquarelle. Alors, parcourez la chaîne YouTube, celle-là, vous allez dans la recherche sur la chaîne YouTube et puis vous cherchez l'eau, parce que j'ai sûrement mis comment peindre l'eau, la mer. Il y a des endroits, il y a beaucoup d'endroits où j'ai fait de l'eau quand même. Je ne pourrais pas vous donner les titres des chaque vidéo. Et dans la formation, la peinture, c'est facile. Alors, vous avez des liens sous la vidéo, vous en avez beaucoup. Des liens sous la vidéo, dans la description, pour rejoindre la formation, la peinture, c'est facile. Alors là, à l'intérieur de la formation, il y a vraiment, dans un module qui s'appelle les bases, c'est comment peindre l'eau. Alors, il va y avoir comment peindre la mer, les vagues, les lacs, les rivières. C'est nerveux. Oui, je recommence. Donc, j'explique vraiment, je montre et j'explique comment peindre l'eau dans toutes ces des possibilités. Mmh. Et il y a aussi des grands tableaux, étape par étape, comme un des récents que j'ai fait, c'est comment peindre une vague réaliste. Donc, vous allez trouver tout ça dans la formation. Au niveau des cours gratuits, tout ce qui est gratuit, vous avez un lien dans la description sous cette vidéo. Vous avez des liens pour tout ce qui est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur les liens et de vous inscrire pour télécharger les contenus. Et si vous ne recevez pas le contenu, ce n'est pas notre faute à nous. Je le répète encore, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je n'ai pas reçu le lien. » Vous faites des fausses publicités. Je n'ai pas reçu le e-book. Ouais. Vous êtes des voleurs, des arnaqueurs, faites de la fausse publicité. Non, c'est que nous, nos envois se font automatiquement, mais le problème, c'est que ça n'arrive pas des fois. Ouais, puis c'est alors bloqué. D'abord, la première chose à aller vérifier dans les spams, ça, c'est la première chose. Voilà. C'est dommage parce qu'après, on est obligé de donner. Nous, ça nous fait perdre énormément de travail. Ben oui, on répète. C'est une gestion, on répond à tout ce monde-là. Et puis après ça, c'est dommage parce que les gens, après, ils sont obligés de s'excuser. Ils nous réécrivent. Ben oui, il y en a un qui était vraiment, excusez de dire, là, mais il était vraiment méchant dans son commentaire. On était très accusés. Accusés qu'on allait passer à court, on a fait comme ça, je ne sais pas quoi. On va être poursuivis. J'ai dit, monsieur, je pense que vous savez tous, je pense qu'ils savent tous comment est-ce qu'on est, là. OK, on va passer ça un petit peu, les choses négatives, j'en veux plus. OK, on continue avec Luc B. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, j'apprécie énormément Paul Cézanne. Ah, Paul Cézanne, moi aussi, je l'adore. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Oui. C'est lui qu'on était voir son atelier. Hein? À Aix-en-Provence, oui. Il demande si on compte créer un cours à la formation sur ce peintre provençal. OK, bon, cette question, elle est arrivée. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans... on a lancé récemment un cours qui s'appelle, je ne me rappelle plus, en tout cas, c'était peindre à la manière de Monet, c'était la Manneporte, tout ça. Alors, ceux qui sont dans la formation, la peinture, c'est facile, abonnez. Ou si vous aviez acheté le cours, la formation complète, là, peindre à la manière des grands maîtres, vous aviez ce cours-là et vous en avez d'autres, dont Cézanne, il y en a deux au moins de Cézanne dans ce cours. Je ne sais pas s'il y en a deux. Non, je pense qu'il n'y en a qu'un. Peindre à manière de Cézanne, il n'y en a qu'un. Par contre, il y en a un autre dans la peinture au couteau. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous expliquer que là, maintenant, les lancements, on les fait un cours à la fois et non plus une formation complète à la fois. Donc, il y a d'autres cours qui vont vous être proposés, comme celui de Monet qui est arrivé récemment. Et il y aura Cézanne aussi, oui. C'est certain, ça va arriver. Vous inquiétez pas, ça s'en vient. Mm-hmm. Sinon, il va y avoir des opérations spéciales qu'on va faire peut-être en juin ou juillet, je ne sais pas, où là, on va vous reproposer à nouveau des ensembles de cours, des formations dans lesquelles il y a plusieurs cours, dont il y aura à ce moment-là Cézanne. Ça s'en viendra certainement juin ou juillet. Donc, c'est quand même pas loin. Non. Ouais. On travaille là-dessus. Arrête, tu vas me faire dormir. Ma belle-mère, elle va dire, oh, Linda, tu me fais bailler. C'est parce qu'elle pense, il ne faut pas que je baille. Non. C'est là où elle baille, alors. Parce que je ne parle pas assez. Hein? C'est tu nerveux. Non, tu parles trop pour moi. Que si je parle, je suis sûre que je ne baillerai pas. Allez, vas-y, parle. Regarde. Allez, c'est toi qui vas répondre aux questions. OK. Driss Saloui, bonjour, Driss. Bonjour, Driss. Il ou elle demande, quelle est la différence y a-t-il entre l'alkyde et le lichen? Alors, quelle différence y a-t-il entre l'alkyde et le lichen? Alors, tout d'abord, je vais vous mettre un lien ici, là. Regardez, hop, vous avez une fiche qui apparaît. Vous cliquez sur ce lien, vous allez pouvoir obtenir gratuitement le e-book sur
les médiums et les additifs pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Mm-hmm. Le liquin et l'alkyde sont deux additifs pour la peinture à l'huile. Les deux sont à base d'alkyde. Mm-hmm. C'est ça ? Alkyde et liquin, oui. Donc, le liquin contient de l'alkyde aussi, c'est la même chose, sauf que le liquin est plus gélatineux. Donc, il va être plus utilisé pour faire des glacis. On va pouvoir en mettre plus, on met beaucoup plus de liquin avec la peinture pour la rendre transparente et qu'elle va sécher plus vite. Alors que l'alkyde, seulement l'alkyde, on va en mettre moins, c'est pour que ça sèche vite et pas forcément pour faire de la transparence. Excusez, j'essaie de me cacher. Excusez-moi. Je ne sais pas comment on peut faire, là. Je ne sais pas. Avez-vous un truc? Ah oui, d'arrêter de bailler. Ce n'est pas tout le temps. Des fois, je ne le fais pas, mais des fois, on dirait, ouf, c'est parti. Arrête d'en parler, je vais bailler moi aussi. Hein. Okay, ils vont tous bailler, regarde. Regarde, je vais ta mère bailler, là. Baille hein? Au corneille. OK, on continue avec Ikram Lougrieb. Bonjour, Ikram. Bonjour, Ikram. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des pigments limoneux et en même temps transparent, et s'il existe le nom de ce type? Limoneux et transparent. Que veut dire limoneux? Je ne sais pas. Mais pour moi, limoneux, c'est quasiment limonade. Je ne sais pas. C'est ça, parce que là, c'est à cause de l'anglais, lemon. Lemon pour le citron. Mais limon, si on parle de limon, c'est les alluvions, c'est ce qu'il y a au fond des rivières, les dépôts de terre, finalement. Des pigments limoneux, donc moi j'appellerais ça des pigments terreux à ce moment-là, si j'ai bien compris la question et le terme. Donc les terres d'ombre, les terres de sienne, les ocres, oui, il y en a des transparents là-dedans. Alors, toutes les terres, tous les pigments qui sont des terres, on pourrait dire que c'est des pigments limoneux. Oui, ils sont tous transparents. L'ocre, ouais. Tous les ocres, l'ocre, le jaune de Naples, la terre de sienne naturelle brûlée, terre d'ombre naturelle brûlée, terre d'ombre verdâtre. Et alors, oui, alors vous avez des couleurs transparentes là-dedans. La terre d'ombre brûlée, par exemple, est assez transparente. N'oubliez jamais que vous avez les pigments. Sur chaque tube, vous avez la transparence ou l'opacité qui est indiquée par un pictogramme. Chaque tube. Vous avez un pictogramme, ou même des fois, c'est écrit en toutes lettres, c'est marqué opaque, transparent, semi-transparent, semi-opaque. Et là, vous allez pouvoir les découvrir vous-même. Mais vous avez aussi... allez-y, ne vous gênez pas... allez sur le site de votre marque de peinture préférée, je ne sais pas moi, allez Windsor & Newton pour la peinture Winton, par exemple, si vous êtes à l'huile. Et là, vous regardez, vous cherchez la gamme de toutes les couleurs. Et vous allez, si vous cliquez sur la couleur dans la gamme, vous allez tomber sur l'explication de la couleur avec sa transparence, sa résistance à la lumière, sa composition. Les fabricants, ils donnent beaucoup d'informations sur leurs couleurs, sur les produits qu'ils vendent. Hein. Alors, il ne faut pas se gêner pour aller sur l'Internet et s'informer de cette manière-là. OK. On finit par Rio Sanada. Bonjour Rio. Très grande, pas une question, mais un commentaire. Un long commentaire. Oui. OK, je commence. Vas-y, commence comme ça, tu vas pouvoir finir. Non, mais aussi... Moi, je vais bailler. Je baillerai plus. Ah? OK. Je me suis enfin lancée dans la formation de peinture. Ça, c'est bien. J'avais juste avant essayé de faire une peinture de grand maître de Caravaggio. Le Caravaggio. Oui. Mais j'ai dû calibrer ma sonde, même si c'était assez proche. Finalement, je l'ai trouvé trop fastidieux, ce réalisme de ce peintre. C'est vrai, hein? Ouf, c'est... Aussi, je me suis dit, il faut que je me lance enfin dans les cours. Oui. Alors, j'ai commencé et j'ai fini déjà hier les exercices du premier module. OK. Mais je ne sais pas vraiment où on les poste. Ou sinon, c'est juste le travail qu'on fait en s'évaluant nous-mêmes. J'ai fait le deuxième avec la composition, que cela m'a encore plus aiguillé sur la compréhension des différentes manières. Je me souviens avoir déjà fait antérieurement de ce genre d'exercice d'analyse visuelle. Mais il est vrai que je vois des choses comme des boucles sans fin qui tournent dans le tableau de certaines compositions de peinture. Je m'apprêtais à faire l'exercice, de la palette des couleurs. Je ne savais pas où c'était le mieux pour vous de dire ça pour les exercices. Alors, je me suis dit que c'était mieux sur YouTube. OK, bien, la première, tu pourrais lui dire, parce qu'il a fait son premier module. Voilà, alors, pour les... non, vous n'êtes pas tout seul. Tous les cours que nous faisons, bien sûr, c'est des cours en vidéo.
que vous lisez les vidéos, faites les exercices en même temps, tout ça, c'est super bien, mais effectivement, après, vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? J'aimerais avoir l'avis d'un professionnel, l'avis du prof, du coach. Alors, regardez bien ce que je vais faire. Je vais mettre un lien dans la description sous cette vidéo. Je vais le marquer spécifiquement en haut de toute la description de la vidéo. Je vais marquer un lien. C'est un endroit où vous allez pouvoir demander des corrections de vos travaux. Si vous êtes déjà inscrit dans des formations sur milonaracademy.com, donc vous ayez acheté des cours avant et où vous êtes abonné à la formation, si vous cliquez sur ce lien, ben vous vous connectez et puis ça y est, avec vos connexions habituelles. Mais si vous n'avez acheté les cours que dans les derniers lancements, vous savez, ces cours-là qu'on a fait récemment et qui sont sur une autre plateforme, un autre support. Podia. C'est sur Podia. Un autre support. Vous n'avez pas la possibilité de faire des demandes de correction ou de coaching là. Alors, nous avons créé donc un espace dans l'ancien système. C'est compliqué, mais on est obligé de faire comme ça. Je mets le lien en dessous. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur... Il y a marqué « Formation ». Correction, coaching de peinture ou autre, mais ce n'est pas une formation, ce n'est pas vrai. On ne peut pas l'enlever, le mot formation. Et donc, vous voyez le titre. Et là, vous devez, si vous n'êtes pas inscrit, vous devez vous inscrire. Vous créez un compte avec votre adresse et un mot de passe. Et là, quand vous rentrez là-dedans, ben, vous allez avoir toutes les explications. Il y a une vidéo qui présente les corrections. Il y a la vidéo du coach qui se présente. Et il y a deux exemples de corrections qui ont déjà été faites. Et là, vous pouvez faire vos demandes là. Alors, ça coûte, pour une demande de correction, il faut acheter 3 crédits. Vous pouvez acheter des crédits là aussi. C'est 4,90 € par crédit. Et là, une fois que vous avez acheté vos crédits, vous faites là, votre demande de correction. Tout est expliqué là-dessus. Vous envoyez la photo de votre modèle, de votre tableau. Et puis, le coach va vous retourner une vidéo privée pour vous, personnelle, d'une durée maximum de 20 minutes. Mais vraiment, il va vous expliquer, il va vous montrer avec un logiciel qui simule la peinture, la vraie peinture à l'huile ou l'acrylique ou autre. Il va vous montrer ce qu'il aurait fallu faire sur votre tableau pour qu'il soit mieux. S'il est bien, il va vous expliquer ce qui est bien. C'est vraiment du coaching sur votre travail. Donc, c'est possible, c'est faisable. Et je vous mets le lien ici dans la description sous la vidéo. Voilà. L'autre question, c'était... Excusez. Il y a du monde qui passe autour de nous. Les restaurants vont ouvrir bientôt. Mais oui, OK. La deuxième, avec la conclusion... Mais il est vrai que... Il voit des choses comme des boucles de sans fin. Hein, oui, oui, oui. Qui tournent dans le tableau, ça, c'est certain. Là. Mais OK, il s'apprêtait à faire l'exercice de la palette des couleurs. Mais je ne savais pas où c'était le mieux pour vous de dire ça pour les exercices. Je comprends pas moi. OK. Il parle de la palette des couleurs. Ben, si vous avez des questions comme ça, privées sur votre façon de faire à vous ou autre, n'hésitez pas à nous écrire. Hein, vous allez, si vous avez donc un cours, à partir du moment où vous allez sur votre cours, vous allez avoir des endroits où vous avez possibilité de nous écrire. Vous avez un lien pour nous contacter. Et puis là, vous pouvez poser vos questions si c'est vraiment... technique, par exemple, si vous cherchez, où est-ce que je peux télécharger la photo du modèle, où est-ce qu'il y a les explications pour la liste du matériel ou autre, là, on va vous y répondre, mais c'est ça, je pense que c'est pas mal tout ça. Je me suis déjà fait intérieurement, mais il est vrai que... Oui, ben, c'est ça, c'était et vraiment... sur YouTube, c'était oui. Vraiment un commentaire sur la façon d'apprendre en tant qu'autodidacte aussi, hein, ouais. En commençant à peine... Mais tu sais, commencer maintenant à la peinture et puis se lancer dans du Caravaggio, là, c'est peut-être pas la bonne méthode. Hein. Comme je dis souvent, commencer par faire des exercices, des choses qui sont petites, pas trop compliquées, pour pas vous décourager. Et après, une fois que vous aurez fait ces exercices, tout ça, vous êtes vraiment amélioré en peinture. Là, vous allez pouvoir peut-être passer à des tableaux plus gros, plus complexes. Mais n'attaquez pas ça tout de suite, hein. Ça serait très, très difficile. Hein. D'ailleurs, tout le monde vous le dira. Hein. Il y en a qui ont fait ça, puis ils le regrettent. Ah oui, hein. Ah ouais, ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, quand tu commences la première fois, puis tu commences une grande affaire comme ça, tu te décourages. Alors, en tout cas, moi, je me découragerais. Ben, j'aimerais oui. mieux essayer petit, dire, oh oui. mon Dieu, il est bien, puis m'améliorer par la suite. Oui. On continue, c'est pas des questions. C'est pas une question, c'est parce des témoignages. Oui, des témoignages, parce qu'on a parlé un petit peu qu'on va aller en France. On va oui. se promener hein, un petit peu. Oui. J'ai Isabelle qui a écrit. Coucou René Linda.
Mais bonjour, bonjour Isabelle. Elle est cute. Qu'est-ce qu'elle dit? Là? Je trouve ça tellement cute. Là. Mais cute, c'est beau. Là. Elle dit, quel plaisir, quel bonheur de savoir que nous allons peut-être pouvoir vous rencontrer cette année. Oui, j'espère. De quelle façon allez-vous le dire afin que je sois réactive? Elle habite à Essonne et je suis prête à aller en TGV à l'autre bout de la France pour avoir l'immense joie et bonheur de prendre un verre ou de déjeuner avec vous ou de vous rencontrer à Giverny, etc. Oui, ben oui. Je prendrai un jour congé exceptionnel rien que pour vous. Comment faut-il faire pour ne pas vous rater? Faut-il que je vous envoie mes coordonnées? Merci, Isabelle. Ben, regardez, non, je pense qu'on va l'annoncer sur YouTube et sur Facebook. Le mieux, si vous êtes sur le... L'idéal, c'est ça, c'est de vous inscrire au groupe Facebook, si vous ne l'êtes pas encore, le groupe, groupe de cours de peinture en ligne René Milon, c'est ça? Oui, il y a 32 000 abonnés. Il y a le lien dans la description sous la vidéo, lui aussi, il y a ouais, ce lien. Venez là, puis si vous avez des questions là-dessus, si vous êtes abonné là, vous pouvez après venir me parler en privé. Directement, oui, en place de passer par un courriel. Et là, je pourrais vous tenir au courant. Je réponds comme ça aux questions pour ceux qui demandent ça, mais pas comment, comment je fais pour mon tableau. Et il y en a beaucoup qui viennent me voir en privé sur Facebook. Qu'est-ce que tu penses de mon tableau? Non, moi, je suis pas là pour ça. Non, ça fait trop de milliers de personnes pour ça. Mais Non. On vous le dira sûrement donc, déjà dans YouTube. Mm-hmm. Puis après ça, les personnes... ben, comme la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait quand on avait dit qu'on irait visiter des gens? Ce qu'on avait fait, tout simplement, c'est simple, regardez. Une fois qu'on va l'annoncer, qu'on est en France, on sait où on est et quel jour et à quelle heure à peu près. Là. On va, vous donner un lien sur lequel vous allez pouvoir nous écrire, remplir un peu. C'est comme un formulaire où vous marquez... que vous êtes intéressé à nous rencontrer, à telle heure, oui, tel endroit. Ça. On vous donnera le choix des endroits. On va s'organiser, vous inquiétez pas. Mais comme l'année passée, on en mettait comme... si on va chez vous, on en mettait comme trois dans la même journée. On faisait point qu'un. Oui, mais là, on ne fera pas ça. On ne pourra pas. Là. Non, année, on ne fera pas ça. Pas, mais admettons, on s'organisera. Inquiétez-vous pas. Vous ne manquerez pas, inquiétez-vous pas. Oui, on va faire en sorte que ça va bien. Sais-tu qu'elle a aimé beaucoup Frida Kahlo? Hein? C'est vrai, c'est très émouvant. Hein? Oui, cette ben artiste-là, oui. Elle l'a connue grâce à nous. Mais c'est vrai que moi... On a été très touchés d'être dans sa maison. Oui. Là, vous savez, je fais des portraits. Ben, j'ai fait deux portraits, trois. Mais mon quatrième, je pense, ça va être Frida Kahlo. Oui, pourquoi pas, a pogné une belle photo là-bas. On a eu une belle photo, puis... OK, on continue aussi avec Sylvie Bénard. Bonjour Sylvie. Elle dit le même principe pour notre voyage. Elle dit « Coucou, vous serez où en Corse? » Oui. « Cela me ferait plaisir de vous rencontrer. Je suis à côté de Porto Vecchio. » Porto Vecchio, excusez. Porto Vecchio. Non, mais la Corse, ce n'est pas immense. Hein? Peut-être qu'on va pouvoir savoir. Oui, ben, c'est sûr, c'est une petite île. C'est rien de faire le tour de la Corse ou la... de haut en bas, de long en large. On sera, normalement, on devrait être dans le coin de, au-dessus de Saint-Florent, okay. Hein, dans le coin de Barbaggio. Vous voyez Barbaggio, un petit village perché là au-dessus de Saint-Florent. Mm-hmm. Ça se pourrait qu'on soit là. Ça se pourrait, on ne le sait pas encore, mais il y a de grandes chances parce que j'ai un ami qui réside là et donc on devrait avoir... un hébergement chez lui, donc à Barbaggio. Ouais. De toute façon, quand on va être au Canada, dans le mois de juin, on va commencer à planifier nos itinéraires. Ouais, vous inquiétez pas. Puis on va vous tenir au courant. On descendra jusqu'à Porto Vecchio sans problème. Ben oui, de toute façon, on ne dit jamais nos choses à la dernière minute. On ne peut pas, là. Ça fait qu'il faut avoir beaucoup de planification. Puis en étant occupé avec la formation. Parce que Linda connaît pas la Corse, donc c'est sûr, il faut qu'elle voie tout ça. Ah oui, pareil, c'est paradisiaque, là aussi. Oh, oui, Palombaggia, Bonifacio. Mais je ne prendrai pas le fromage là-bas. Ben, je le mangerai. Il paraît qu'il y a du fromage, là, avec des... Je l'attraperai, je courrai après, je l'attraperai et je le mangerai. Ah, ça me fait penser hier. Hier, on se promenait ici à Porto Aventuras. Puis là, il faisait noir. Là, on voit une affaire partant quelque chose. Mais qui avance. Qui avance, c'est on dirait gros. Un gros caillou qui avance. Oui, mais moi, je pensais que c'était des fourmis qui tenaient ça. Ben non, c'était quoi? C'était un Bernard l'Ermite. Puis il était laid. Il était gros, hein? Oui, dommage que je suis allergique aux crustacés, sinon je l'aurais bien mangé. Il l'a tourné. Mais tu sais, tu peux mettre la photo pour le remontrer. Je vous montre mon Bernard l'Ermite. C'est un ami qu'on a rencontré. Mais oui, on l'appelle... Comment qu'il dit, Charles? Il dit, Thierry l'Ermite? Non, il y a René l'Ermite. Pascal. Ah oui, René l'Ermite et Bernard l'Ermite. René l'Ermite, oui. Fait qu'on finit avec Nathalie Chulot. Bonjour Nathalie. Elle aussi, c'est la même chose. Elle dit, oui, pour Giverny.
Ah ou oui. Tout lieu en Bretagne. Ben, en Bretagne. Non, mais c'est ça, on n'ira pas en Bretagne. Non. Non, mais pas loin. On ne sera pas. On sera pas vraiment en Bretagne parce qu'on l'a déjà fait. Puis on va avoir beaucoup, beaucoup à faire de l'autre côté. On va aller plutôt vers dans l'Est cette fois-ci. Hein, ouais. L'Alsace. De toute façon, on va vous avertir. Un exemple, comme ouais. René avait dit qu'il va peiner à l'extérieur ou aller pas manger un repas avec vous. Et comme il y a un monsieur qui me. Oui, il y en a un monsieur qui m'a demandé vous payez le repas non. c'est pas qu'on veut pas, mais on en paye pas mal assez. Hein? S'il y a bien du monde, là. Oh, oui, ça ferait pas mal trop. Ah non, chacun pour soi. Puis c'est tout. Ça y est, c'est fini. Bon. On a fini, puis on peut donner quand même l'énigme, c'était qui? Ah, la réponse de l'énigme. Alors, c'est qui a dit la peinture? C'est comme de la merde. C'est comme de la merde, ça se sent, mais ça ne se touche pas. Non, ça. Non, c'est quoi? J'espère que tu ne touches pas. Moi, je ne toucherai pas. Et la peinture, c'est comme la merde. Ça se sent, mais ne s'explique pas. Ça, moi, je disais plutôt la peinture. J'aime tellement ça que j'en mange. Alors, hein, je vois pas que ça soit comme la... Non, non, je pense qu'on ne dit plus. OK. Eh bien, c'est Henri. J'espère que vous l'avez trouvé. C'est Henri? Henri de Toulouse-Lautrec. Ah, Henri ouais. de Toulouse-Lautrec. Hey. Il est né le 24 novembre 1864 à Albi. Il est mort le 9 septembre 1901, puis il est mort à 36 ans. Il est jeune, hein? Il est mort jeune, mais oui. Mais il faut dire que Toulouse-Lautrec, c'est ça. Oui. Déjà, il avait un problème de santé. Il était nain. C'est un nain, hein? Oui, ben il y avait une malformation, je pense, de naissance. Oui, oui, oui. Wow. Ben, j'ai vu ces tableaux, quand même. Il marchait avec une canne, mais oui, ben c'est ça. C'était on va dire, le peintre, affichiste, illustrateur du Moulin Rouge. Oui, j'en ai pris des tableaux, fait qu'on vous les montre en même oui, temps. Oui, oui, oui. Parce que franchement, là, je trouve que ces peintures sont intéressantes. Si je me souviens bien, dans le film Midnight in Paris, Minuit à Paris... on le voit, du moins, on voit le personnage qui le représente, là, il me semble. Oui, oui, il est assis dans un coin. À un moment donné, oui. Oui, oui, je me rappelle. Un bon film, ça, Midnight in Paris, où la personne, on va dire, voyage dans le temps au milieu des artistes. Oui. Mm. Puis lui, là, Lautrec, je ne dirais pas Lautrec, parce qu'il y a un Lautrec ici au Canada, il y avait un chanteur. Il y a un chanteur, Daniel Lautrec, ou... Oh, moi, je ne le connais pas. Non, c'est sûr, mais il y en a qui doivent le connaître. Je suis trop jeune, j'étais pas né. Moi non plus. OK, Toulouse-Lautrec, c'est un peintre, un dessinateur, un lithographe, un affichiste et un illustrateur français. Et il faisait les choses, hein? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, ben, enfin! Mais là, le prochain samedi, ça va être au Canada. Québec. Ben oui, on va être de retour au Québec et donc... je m'excuse, ça tremble un peu. Hein. Je m'excuse si l'image, elle a bougé, elle a tremblé beaucoup. Ah, on n'avait pas de trépied, puis je le vois. Tiens, on va faire ça. J'ai comme l'impression qu'on dirait que mon téléphone, fixe. Mais regarde, fais ça en même temps, ça fait que ça paraîtra pas. Il n'est pas stabilisé. Tu sais, des fois, l'image est stabilisée, mais là... Non. Ouais, regarde, chérie. Oui? Ça ne paraît pas, là, regarde. J'ai l'impression d'être encore sur le bateau. Là, Alors, ben, c'est ça, on vous met des images de Mexico, la surprenante Mexico, la vivante, surtout la vivante. Mm. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est... On a eu tellement de belles choses, OK, on vous en met un aperçu, mais on ne peut pas tout vous mettre parce qu'il y en a des milliers de photos qu'on a prises, là. On est toujours surpris quand on est à Mexico par quelque chose. Ouais, tout le temps. Ouais. On marche dans la rue, quand on est en voiture... Peu importe ce qu'on voit, on va être surpris, puis agréablement surpris. Il y a vraiment de belles choses. Mais c'est sûr, l'année prochaine, on va retourner faire un petit coucou là-bas, à la même place, à la même hôtel, puis le même... Si on peut, oui. Ne serait-ce que juste le quartier Coyoacán, c'est merveilleux. Ah oui. C'est bon, ça. On vous laisse là-dessus, et on vous retrouve donc samedi prochain. Au Québec, mercredi pour ta vidéo du mercredi. Cependant, on continuera à vous mettre des petites images encore du Mexique parce qu'on en a encore pas mal. Ben oui. À bientôt. Bye bye. 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 Thank you.